de l'exploration, de l'exploration, de l'exploration de friches industrielles. En fait, d'anciens bâtiments qui ont servi vraiment dans le passé. On appelle ça de l'urbex, voilà, de l'exploration urbaine. C'est une pratique interdite normalement, puisque vous rentrez sur des lieux qui peuvent être potentiellement très dangereux, puisque à l'abandon. Et en tout cas, là, je suis un petit peu tombé sur cet urbex par hasard. C'est le deuxième urbex que je fais de ma vie. Mais ça reste un lieu très intéressant graphiquement. Et aussi, je dirais, très intéressant par rapport à son ambiance sonore. Aujourd'hui, à l'extérieur, il y a tout simplement des bourrasques que devant, qui font réellement vivre ce bâtiment. On a des portes qui claquent, des parties de tôle qui vibrent, on a même des parties de toit qui soulèvent. Donc très intéressant au niveau sonore, mais par contre potentiellement très dangereux puisqu'on n'est pas à l'abri d'une chute de matériaux. C'est en ça justement que l'exploration urbaine de friches industrielles est interdite puisque ça comporte un certain nombre de risques. En tout cas là, moi je me suis régalé, je vais vous montrer un petit peu cette exploration. J'ai vraiment pu naviguer dans tout ce bâtiment qui, je suppose, reste en fait certainement un bâtiment d'entretien, de semi-remorque, ce type de choses, avec derrière moi vraiment le gros hangar et surtout ensuite vraiment ce que je suppose avoir été tout simplement la partie administrative de ce bâtiment là. Donc vraiment quelques petites pièces, des escaliers, ça monte, ça descend, c'est un petit peu alambiqué, mais vraiment vraiment très intéressant. Et en plus aujourd'hui, voilà, il y a une alternance de nuages et d'éclaircies qui donne vraiment des ambiances lumineuses très très intéressante et vraiment j'irais propice à faire de très belles photos. Je vous laisse découvrir cette petite aventure et en tout cas si vous appréciez ce type de vlog, voilà, ce type de rendu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut pour chatouiller l'algorithme de YouTube et me faire ressortir dans le moteur de recherche. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube pour être informé de mes prochains vlogs en cliquant sur le bouton abonner et la petite cloche qui apparaîtra à ce moment-là. Ça vibre et ça claque encore, c'est juste génial. Donc je vous laisse découvrir cette nouvelle aventure.
Thank you.